Voilà. Là, vous pensez que ça va? Pendant les années de la Grande Purge, les services de propagande n'ont pas chômé dans notre pays. Vous souhaitez aborder quel sujet en particulier? Ce qui nous intéresse le plus, c'est la production de fiction réalisée par des cinéastes indépendants pendant cette période. Nous ne sommes pas très riches en documents. Beaucoup de choses saisies ont été détruites. Pour éviter toute circulation, vous vous en doutez. Et puis, l'organe patriotique n'avait aucune confiance, même en ses propres fonctionnaires. Vous m'inquiétez, je ne vais pas avoir d'image d'archives. Non, rassurez-vous. Je pense déjà à deux ou trois films qui pourraient tout à fait vous convenir. Enfin, vous me comprenez. J'ai entendu dire que certains de ces films étaient de pure création des services de renseignement étrangers, ou pire, montés de toutes pièces par la propagande patriotique de notre pays. Oui, c'est peut-être possible. Malheureusement, je n'ai pas d'éléments pour corroborer une telle réalité des faits. En même temps, il avait été aussi dit que nos dirigeants de l'époque n'apparaissaient jamais en public, que des sosies les remplaçaient en toute occasion, que beaucoup d'événements importants étaient recréés en studio. Oui, allô? Oui, Patriote secrétaire, j'arrive tout de suite.
Écoute, Elsa, suis-moi par là. Je crois bien qu'on nous surveille. Mais ne t'inquiète pas. On sera bientôt en sécurité. Il n'y a pas que ça. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre hier. On a dû... Mais ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas le moment de flancher maintenant. Je te promets, tout va bien se passer. Croyez-vous ? Je pense qu'une partie de tout ça est le produit de fantasmes, dû effectivement à une période sombre de notre histoire. Je pense également que les choses étaient plus simples, mais tout aussi terribles. On peut passer à l'interview si ça ne vous dérange pas. J'ai pas mal de travail qui m'attend aujourd'hui.